Vous êtes sur RTL. 15h. Un point sur l'actualité avec vous, Olivier Bois. Bonjour, cher Olivier. Bonjour, cher Flavie. Exercice de transparence pour l'exercice ce soir à 18h. Le Premier ministre Édouard Philippe et son ministre de la Santé, Olivier Véran, vont être auditionnés par les députés de la mission parlementaire sur le coronavirus. L'objectif annoncé, expliquer la politique du gouvernement, expliquer les décisions prises et parler également de la stratégie pour les semaines à venir. La majorité craint-elle de devoir faire face à des critiques? En tout cas, Richard Ferrand, qui va diriger cette mission, prévient, ce ne sera pas le tribunal d'inquisition. La France a connu un niveau record hier, 499 morts en 24 heures, ce qui porte le total à 4246 décès, dont un quart, on l'apprend à l'instant, un quart dans le Grand Est qui a dépassé les 1000 morts et qui continue à devoir gérer les hôpitaux débordés. Désengager les hôpitaux d'Île-de-France, c'est également maintenant la priorité. 36 patients ont été transférés pour la première fois ce matin de la gare d'Austerlitz vers des hôpitaux bretons. Ces opérations vont se multiplier. Les capacités franciliennes sont en effet arrivées maintenant à saturation. Écoutez d'ailleurs à ce sujet le témoignage d'Hugo, étudiant en cinquième année de médecine à la faculté du Kremlin-Bicêtre. Il est en stage depuis le mois de janvier dans un service de réanimation Covid-19 à Paris. On s'est préparé à l'arrivée des malades dans ce service-là. On a libéré les lits nécessaires, mis en place les isolements nécessaires. On s'est attendu à ce que des patients arrivent. Mais on a rapidement été un petit peu dépassé par l'afflux des patients Covid. Et maintenant, on est 100% des patients qui sont admis dans le service sont hospitalisés pour infection au Covid. Et voilà, pour l'instant, ça craque pas encore. On arrive encore à trouver de la place, mais on est un flux tendu. Sur le moment, on prend pas trop de recul. On s'occupe de nos patients au mieux qu'on peut, avec la charge de travail qui est conséquente, l'habillage qui prend du temps et le déshabillage qui prend du temps aussi. Après, c'est vrai que voilà, il y a une vraie solidarité des soignants, il y a une vraie solidarité aussi de la population. Et c'est vrai qu'après, quand on se regarde, on se pose un peu au milieu de la journée, il y a quand même du monde et on est quand même dans une sacrée situation. Le témoignage d'Hugo, étudiant en médecine, il répondait à Marion Ferrer. 2700 malades sont en effet en réanimation ce matin en Île-de-France. Selon le directeur régional de l'agence de santé, Aurélien Rousseau, il prévoit de pouvoir trouver encore de ci de là des marges de manœuvre, mais on est vraiment maintenant, dit-il, à la limite. L'autre enjeu d'ailleurs, selon Aurélien Rousseau, c'est de trouver des soignants pour gérer tous ces lits supplémentaires. La région fait appel à des professionnels de santé venant des zones moins saturées. En attendant, plus que jamais, les soignants ont besoin de nous, respect du confinement, c'est comme ça pour le moment qu'on peut limiter le nombre de cas graves à traiter. Christophe Castaner l'a dit clairement, il est hors de question de partir en vacances, même si les congés de printemps commencent ce week-end. Pas le droit pour ceux qui étaient partis également se mettre au vert avant le confinement de rentrer chez eux à Paris par exemple. Consigne a été donnée aux forces de l'ordre de verbaliser également dans ce sens-là. Il y aura plus de contrôles dans les zones touristiques et les préfets ont été chargés également de vérifier les réservations des résidences de vacances. Conséquences économiques de la crise, 337 000 entreprises en France ont recours désormais au chômage partiel. Cela concerne en tout 3 600 000 salariés. On termine avec le temps demain, du soleil ou au moins de très belles éclaircies sur tout le pays. Quelques pluies seulement dans l'Ariège et dans les Pyrénées-Orientales. Des températures relativement fraîches, 7 degrés dans le nord jusqu'à 13 degrés dans le sud demain matin. Il est 15h03 sur RTL et on vous retrouve, Flavie, pour la suite de l'émission. Merci beaucoup, Olivier Bois. Et vous, on vous retrouve à 16h pour un prochain point sur l'actu. Prenez soin de vous. À tout à l'heure.